baseball god though. Never disappoint though. J'espère que la chanson là va un peu se calmer dans mon esprit. Voilà. Bonsoir, bonsoir à la personne qui vient de me saluer. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Vous revenez de loin. Nous sommes au deuxième jour de jeûne. Quand je viens au Gabon, est-ce que vous venez me voir? Ne me demandez pas ma localisation physique, s'il vous plaît. Okay. Si je dis que je suis à Libreville, là, tu ne vas pas venir me voir. Ça te sert à quoi que je sois à Libreville? Hein, Samuel? Bonsoir. Je demande la grâce pour pouvoir vous parler en tant qu'oracle. Que je puisse toucher les vibrations nécessaires pour vous donner le message qui va confirmer ce que vous saviez déjà, qui va activer ce que vous portez et qui va accélérer ce que vous avez commencé. Vous n'aimez pas acheter vos bracelets, n'est-ce pas? Ne mettez pas les bracelets. Ça, c'est 7 chakras. Ok. Tu es folle amoureuse de moi. Moi-même, je m'aime. Moi-même, je suis amoureuse de moi. On fait comment? Et Gorilla? Et Singala? Bonsoir, bonsoir. Moi-même, je m'aime jusqu'à. J'aime tellement être avec moi que quand je pars quelque part, quand je dors là-même, je me sens pas bien. Tu vois, non? Quand tu viens d'accoucher, tu aimes tellement ton enfant. Quand tu pars au marché ou bien tu vas au travail, tu as hâte de retrouver ton enfant. Oui. C'est comme ça que je m'aime. J'aime surtout être avec moi-même. Parce que là, je peux m'écouter, je peux me parler. J'ai beaucoup de... Si tu m'entends dans ma... Si tu mets un micro dans ma maison, tu vas croire que... Like, I was just talking to myself. Et mes conversations intérieures sont toujours en France, en anglais. I like to talk to myself in English. Like, where did you put that thing? Oh, what are you doing? Oh, that's not nice. Is it nice? Mm-hmm. Il y a un peu de béninois dans moi. Ouais, j'ai un petit sang béninois. Donc, on se lance dans le business, ok? Je suis tentée de faire pile 1, pile 2, pile 3. Mais comme je n'ai même pas de cartes devant moi, bon, voilà les cartes là-bas, quelque part là-bas devant. Voilà, on va dire comme ça là. J'ai une idée. On va les choisir. Ok. 1, 2, 3. Donc, je vais essayer de baser mes messages sur trois directions en fonction de ce que l'esprit va me guider à faire. On commence par quoi? Noir, vert ou bleu? Non, vous êtes trop tergiversé là. On opte pour le vert. Vert, vert, vert. Ah, vous venez d'être en bleu. Vert, 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 vert. Bon,
On commence par le noir, ok? Noir. Concentrez-vous, prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Allez-y, prenez de quoi noter. Je sais qu'il y a des personnes que vous prenez mes directs très au sérieux. Je vous félicite. Je sais aussi qu'il y a des personnes que vous me regardez comme la télé, comme le chien devant la télé. Ce que je dis n'a pas d'importance pour vous. Félicitations. Congratulations. Ok. Tu n'es pas en train d'écouter ceci par hasard, ok? Brace yourself. Et pars-toi. Bonsoir Mirko. Tu es celle qui va briser les malédictions de ta famille. Tu as toujours été prédestinée. L'esprit qui s'incarne à chaque fois, tu t'incarnes, tu t'es déjà incarné plusieurs fois. Tu as ta 84e réincarnation ou bien 180 ou 144. Voilà. Le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Tu as commencé un chemin et il y a, depuis l'enfance, tu as des choses dont tu es convaincu. Like, je suis sûre que je suis censée changer quelque chose dans la vie de ma famille. Et à un moment, tu n'avais personne pour coopérer avec toi ou encore s'accorder avec toi. Et le seul témoin que tu avais, c'était juste tes rêves. Je vois quelqu'un ici que tu faisais beaucoup de rêves clairs. Même de temps en temps, on va dire une fois tous les 2, 3 à 6 mois maximum, tu fais des rêves très, très, très clairs, limpides, où tu te vois en train de délivrer les gens. Loris, tu passes, tu hésites, tu n'entres pas. Tu veux qu'elle te dise quoi? N'entre pas, non. Ok. Tu veux qu'elle te pousse. Elle te pousse. Continuons notre lecture. Ok. Bon, entrer, il faut entrer. D'accord. Ok. Donc, tu as des visions très claires dans le rêve. Et tu te vois très souvent, malgré la pauvreté apparente que tu as actuellement. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions ou vos problèmes. Si vous avez un commentaire, vous pouvez le partager. Si ce que je dis vous parle, vous pouvez partager. Mais ne venez pas me demander de vous aider. Ne venez pas vous plaindre. Ce n'est pas le commissariat à la lumière. Ok. Donc, je parlais des rêves clairs que tu fais très souvent. Je dis bien très souvent. Et ces rêves lucides que tu fais, c'est ton esprit ou ta plus grande partie. On dit en anglais « higher self ». C'est ton higher self qui est en train de parler. Et il te montre ce que tu es censé faire. Maintenant, le complexe que tu as eu très souvent, c'est que tu as eu affaire à... Non, on ne vient pas chez moi sur rendez-vous, monsieur Mbongo. À moins que vous ne travailliez très tard ou sortiez très tôt. Le local est ouvert de 8h à 18h30 ou 19h le soir. Et le portail, j'ai toujours demandé qu'on l'ouvre grandement. Donc, si vous passez un jour et à 14h, le portail est fermé, filmez-vous, me dites, s'il vous plaît. Parce que je vais pénaliser mon gérant. Il va avoir une pénalité de moins 5 000. Ok. Bon, je continue. Merci d'avoir participé, M. Mbongo. Je dois absolument lire cette lecture. Ok. Donc, il y a quelqu'un parmi vous tu as beaucoup de rêves qui sont clairs. Et tu as toujours su à l'intérieur de toi. Voilà, je voyais l'entourage. Malheureusement, tu as un entourage qui est très... C'est une jalousie, c'est un esprit qui est en eux qui te jalouse. Vous devez comprendre que vous avez beaucoup de batailles spirituelles. Et ça peut être parfois ton mari ou ta femme. Je vois un homme ici là que tu as beaucoup de faveurs. Quand tu marches parfois avec ta femme,
les gens t'apprécient, tu attires beaucoup de femmes. Du coup, elle te dit que tu es un macho ou bien un gigolo, mais c'est juste parce que tu as un aura qui attire énormément. Voilà. Et du coup, tu comprimes ça. Et peut-être tu crois que ta femme est très spirituelle. Non, pas spirituelle, elle est religieuse. Et le fait qu'elle soit religieuse, toi, tu ne pries pas forcément. Mais tu es spirituelle, elle est religieuse. Et comme tu ne fais pas tes prières tous les jours à l'heure où c'est censé être, tu crois, et je crois que dans le passé, peut-être tu l'as trompé une fois. Désolé, je ne sais pas quel homme je suis en train de lire. Tu as trompé ta femme peut-être, ou tu as eu un passé où tu avais un peu, ton truc ne restait pas dans la poche. Du coup, à chaque fois que ton aura s'ouvre, tu as l'impression que c'est ta chair qui parle. Mais c'est toi, en fait, tu es censé être connu. Et on vous montre quelqu'un, c'est là que tu as mal commencé, mais tu vas bien finir. Peut-être tu partais dans les églises, tu regardais souvent les pasteurs faire des choses, tu te moquais même d'eux. Et là, tu sens en toi que tu seras bientôt pasteur. I don't know, but you know. Peut-être tu rêves ou tu te vois en train de parler aux gens, en train de guérir les gens, en train de motiver les gens, édifier les gens. Voilà. Ou encore même en train de sauver les gens d'un endroit. Donc, je vois aussi quelqu'un ici, tu es une vieille âme, donc tu as beaucoup de pouvoir en toi, qui dans le passé, je vois aussi quand tu as transitionné, tu es quitté d'une ville à l'autre, ou bien tu es venu dans une ville pour vivre avec quelqu'un, et la relation n'a pas marché. Donc tu te retrouves dans cette relation, enfin dans cette ville, c'est un nouvel environnement. Et là tu as senti que tu ne vas pas déménager pour rentrer où tu étais avant. Donc tu as transitionné vers une nouvelle ville et ce nouvel environnement te permet en fait de... Tu sens en toi que quelque chose est en train de s'activer. Je vois aussi quelqu'un qui est nouveau sur ma page. Tu essaies de comprendre ce que je fais. Like, qu'est-ce que cette femme fait? De quoi il s'agit? Et à chaque fois quand je parle, c'est comme si j'étais like, you know, I was on point on you. Je parle et c'est net ce que tu ressentais la période là, ou bien la nuit dernière, ou bien dans la journée, ou bien la conversation que tu avais avec quelqu'un avant. Donc tu es en pleine activation. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est un peu comme j'ai déjà vu. J'ai l'impression que j'ai déjà vécu ça. J'ai l'impression que... Voilà. Donc tu es en train de connecter, ton ADN est en train de s'activer. Et c'est un peu comme si tu te rappelles des actions que tu as perpétré dans ton ancienne vie. Maintenant, on me dit de te dire que ton temps de briller est arrivé, ton temps d'être connu. Et si tu résistes trop à l'envie qu'on te donne peut-être de parler aux gens, à un moment, tu vas te sentir stressé. Tu vas te sentir stressé, je vois le mot stressé. Donc, je n'aime le mot peur, n'écrivez jamais, laissez le mot peur, sortez de mon direct avec le mot peur. Voilà. Ok? Il y a le mot peur, le mot bloqué. Gardez ça pour vous. Je ne peux même pas le lire. Ok. Donc, ton temps pour briller est arrivé et c'est comme si ton ADN qui s'active va te donner un courage sporadique. Donc, de temps en temps, tu vas sentir ça là, tu vas dire, je fais une vidéo. Tu vas... Donc, tu auras des impulsions. Voilà. Des impulsions qui vont venir et ça va te faire faire. On me dit le passage suivant. Philippiens 2, verset 13. Ils sont en train de travailler en toi pour le vouloir et pour le faire. Je vois carrément un changement de désir. Avant, tu étais like, oh, je n'aime pas TikTok. Et récemment, tu te retrouves, tu es sur TikTok. Tu apprends comment écrire sur TikTok, comment poster. Et tu te demandes, mais pourquoi j'apprends ça? Tu as l'impression d'être, ok, attends, je te bloque. Si vous venez à mon direct pour vous dénigrer, je vous bloque. Allez raconter ça ailleurs. Si tu es poisseuse, va avec ta poisse. Voilà. Moi, je veux que les chanceux et les bénis. Donc, tu es aussi en pleine renaissance. Tu sens en toi... Avant, tu étais très pessimiste. Mais là, tu... Parfois, tu... Généralement, le matin, tu es là à 10 heures. Et toute la journée, tu es positif. Tu es étonné, tu t'étonnes toi-même. Waouh, je suis de bonne humeur. 2 heures plus tard, je suis de bonne humeur. Voilà, c'est, tu es en renaissance. Et ton oui, je vois quelqu'un peut-être que tu es en train d'avoir mal aux yeux, aux oreilles, ton nez démange beaucoup. On est en train de calibrer, de canaliser, de calibrer, le mot calibrer. On règle ton audition spirituelle.
on règle ta vision spirituelle. Oui. Tu es entouré d'esprits, mais avant, tu ne les écoutais pas tant que ça. Ils devaient attendre quand tu es dans les rêves avant qu'ils te parlent. Mais de temps en temps, tu es dans un, tu es peut-être dans le tram, on te dit, va parler à la personne ici. Tu peux sentir que quelqu'un ne va pas bien. Tu restes en train de dire, appelle cette personne. Parle de moi, je te bloque. J'aurais dû te bloquer depuis. Parle de moi, je te bloque. Égoïste là. Parle pas. Je n'aime pas la personne particulièrement. Si tu veux qu'elle te bloque, je te bloque. Merci. Oui, les yeux, c'est vous êtes en activation. Donc, votre vue est en train d'être activée. Et voilà, je vois quelqu'un que tu es. Avant, on devait te parler dans les rêves. Mais là, tu es toujours au point, like. Oh, j'ai envie de sortir. Tu sors, tu tombes sur quelqu'un que tu cherchais son numéro depuis longtemps. Donc, tu as l'impression que tu es très guidé. Donc, on me dit de te dire que tu dois avoir un mantra, une sorte de répétition que tu dis dans ton esprit, genre, je suis toujours à l'heure. J'arrive toujours au bon moment. Je tombe toujours sur les bons moments. Les bonnes personnes au bon moment. Voilà, ça va te permettre de repousser les mauvaises pensées qui avaient occupé ton esprit pendant tellement longtemps. Donc, ton temps de briller est en train d'arriver. Tu vas, maximum, dans 2 mois maximum, tu seras une célébrité sur TikTok. Oui, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés. Ça va grandir, tu ne comprendras pas comment. Like. Ok? Voilà, on montre aussi que tu as des pouvoirs. Tu as des pouvoirs, des dons spirituels. Et tu peux voir, tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu sens que la personne ne va pas bien. Tu parles de qui? Je te bloque. Donc, tu as des pouvoirs, tu peux rester comme ça, tu peux scanner quelqu'un sans vouloir, mais tu scannes la personne. Voilà. Et tes mains aussi. Tu donnes un câlin à quelqu'un, il se sent mieux. Tu parles à quelqu'un, il guérit. Tu finis de parler, donc, ok. On montre aussi que tu vas très souvent, ces prochains jours, derniers jours, tu as rencontré des personnes qui étaient très dépressives. Je ne sais pas, tu es là comme ça dans la rue, tu marches. Tu vois une fille qui est assise, elle pleure. Et je te dis, dès que tu lui parles un peu, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, ça va aller. Hein. 2 mots, pap, la personne change. C'est ton pouvoir. Tu n'as pas forcément besoin d'être en train de prier pour quelqu'un. Tu as un pouvoir de, you can cast out spirits, not even knowing that you're doing it. Ton audition, ton oui. Tu peux chasser les démons sans savoir même que tu es en train de les chasser. Donc, l'église conventionnelle vous a dit, oh, tu dois te dire, au nom de Jésus. Non. Toi, juste par ta façon de faire, et on montre quelqu'un aussi, tu as une voix très apaisante. Tu devrais penser à faire un podcast. Aussi, chanter. Aussi, faire des vidéos comme moi, là, comme ça. Tu dis ce que Dieu te dit de dire. Comme ça. Je suis dans mon onction d'oracle actuellement. Ok? Je ne parlerai pas à une seule personne. Prenez ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas, vous laisser. Maintenant, je vois quelqu'un ici là que tu as... On a tous des pouvoirs de voyance. C'est juste que certaines personnes vont activer les leurs dans 2 vies, dans 20 ans. Dans 300 ans. Ok? D'autres, vous êtes un peu en retard parce que dans votre enfance, on vous a bloqué. Je vois quelqu'un ici, là, tu as grandi chez une maman, peut-être ta tante, et il y avait des abus. On t'abusait. Like, tu as vécu des abus de violence physique qui ont bloqué ton aura. Tu as eu des frustrations de la femme de ton père. Je vois la femme du père de quelqu'un qui te parlait très mal. Et. Peut-être ton père a voyagé, tu as été obligé de vivre avec elle. Elle t'a beaucoup frustré. Donc, c'est un peu comme si elle a même parti chez les marabouts. Et elle a pu voir que tu avais des dons de voyance. On a bloqué ton œil. Ou on a bloqué ta vision. Voilà. Ta vision, c'est don spirituel. Ça fait que tu peux aussi voir quel business va marcher. Ça fait qu'on me dit que tes pouvoirs de voyance, ce n'est pas seulement pour aller dire aux gens que tu vas mourir, la personne meurt forcément. Mais ta voyance, c'est un peu le genre, tu peux dire à quelqu'un que fais dans telle chose, ça marche. Quelqu'un vient vers toi, tu l'encourages. Donc les coachs, très souvent, ce sont
des gens que s'ils avaient grandi dans d'autres contextes, ils seraient des voyants, les coachs. Parce qu'ils ont cette capacité de débloquer, de voir ce que quelqu'un peut devenir et de débloquer la chose chez la personne. Voilà. Exactement comme Olivia qui parle. Des vidéos, faire des vidéos beaucoup plus, des posts écrits selon l'inspiration. Voilà. Donc, on me dit, te dit que ta part n'est pas conventionnelle. Ce que tu portes, ce n'est pas quelque chose genre... Mais c'est comme ça que c'est censé être. C'est quelque chose d'unique. Donc, à chaque fois que tu essaies d'imiter quelqu'un, on me dit que voilà, tu peux t'inspirer de quelqu'un, mais pas imiter quelqu'un. On laisse ça entre, non? Tu peux t'inspirer. Genre, tu écoutes quelqu'un, ça te donne une idée. Mais imiter, quand tu essaies d'imiter, tu n'y arrives pas. Toute personne qui dit « moi », je te bloque. Les égoïstes là. Voilà. Moi. Toi qui? Hein, Lou? Donc, il y a des personnes ici là, j'ai parlé de vos pouvoirs de voyance, de guérison. Peut-être même dans ton business, supposons que tu vends les rideaux. Quelqu'un vient en achetant tes rideaux, tu lui parles, ça le guérit. Ok? Ça, ce sont tes dons. Et les rideaux qu'il achète, c'est seulement pour te récompenser. Il n'appelle pas sa consultation, mais le fait qu'il vienne acheter chez toi, c'est ça ta récompense. Unchangeable God, you never disappoint. J'ai fait écouter la chanson de ma fille. Voilà, ça s'est resté dans ma tête. Je vous ai dit, ça avait dit binon. Les affaires ne décollent pas. Je te bloque. Vous venez vous bloquer. Vous venez vous plaindre ici. Je vous bloque. Mes affaires ne décollent pas. Voilà. Ok. Ça commence à devenir intéressant et sucré. Écoutez. Ça arrive au point où on me donne les noms de prier pour qu'ils ne tombent pas sous certains chocs. Oui, continue juste. Ok, continue juste. You never disappoint. Je te réveille de tout sommeil qu'on t'a donné. On continue. On est toujours sur la première carte qui était noire. Première carte. Vous êtes toujours là. Dis, je suis en poste. Écrivez ici, je suis en poste. On est venu pour me faire du mal cet après-midi. Il est déjà dit là avec eux. Il est en train de tendre un collier. Ok. Ben, il faut acheter. Achète ça. Je vends des produits. Je vends des bijoux spirituels. C'est dit que tu impostes un pian. Hein. Qui parmi vous a noté ce que j'ai dit? Comme vous négligez mes enseignements là. Salut Grâce. Je vous ai parlé de mon livre pour les enfants. Achetez vos livres. Voilà les vacances. L'enfant est déjà à la maison. Voilà, n'est-ce pas? Marcus, la pauvreté te gère. Oh, les grands. Oh là, si la jalousie des gens pouvait te toucher. Aïe. Il y a des gens souvent qui me détestent pour rien. Comment ça me plaît? I don't intend to please all of you. Hein? Ceux qui n'osent pas commenter là. Vous me détestez, vous êtes dans mon direct, vous n'osez pas commenter pour que je ne vous bloque pas. Vous êtes des mazos, hein? Vous aimez vous faire du mal. Me voir rire, ça vous fait mal. Ne venez plus dans mes directs.
Ne me donnez plus les vues. Les livres sont disponibles à Ouaga. On peut les envoyer à Ouaga. Oui. Je ne fais pas les récaps, Nelly. J'ai annoncé dans le groupe que je suis en direct. On peut lancer, on peut continuer. Jeanne Fomo, pourquoi ton enfant ne connaît pas parler français et anglais? Tu penses que tu lui rends service? J'ai vécu 8 ans avec ma fille dans un pays anglo-saxon. 7 ans. On est quitté là quand elle avait 7 ans. Elle parlait parfaitement et elle lisait français et anglais. Oui. Elle dit que totalement. Jusqu'aujourd'hui. Tu penses que tu rentres. Décide-toi en 3 mois de vacances si ton enfant va parler le français. Et il va lire le français. Carlita, si quelqu'un se plaint dans le livre, si je dans le live, si je le bloque, tu viens te plaindre, je te bloque. Je suis en train de lancer la deuxième partie. Ce sont des livres que j'ai appelés Le Sentier Vision et Réussite. On a arrêté ton visa 2 fois. Voilà, je te bloque. Venez vous plaindre, je vous bloque. On est ici là pour prendre nos bénédictions. Je vous parle, ça vous éclaircit sur votre esprit. Ok. Donc ces livres, attendez, je me lève, je prends, je vous montre. Ça n'aurait servi à rien. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est à 2 mètres de moi, mais je n'ai pas les pouvoirs qui attirent le livre. Mais je dois vous montrer parce que ça va aider vos enfants. Attendez. C'est disponible en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan. Oui. J'ai 400 livres ici, là-bas. Wait, wait. Ah, j'ai imprimé les livres par la foi. Donc, je sais que vous en avez besoin. Attendez-moi, je viens. Oh. La prochaine fois, je vais mettre ça à côté de moi pour faire le live. Ok, j'ai trouvé cela. Vous savez, le succès n'est pas le hasard. Vous savez pourquoi tous les enfants veulent danser aujourd'hui? Hein? Vous savez pourquoi tous les enfants veulent danser sur TikTok aujourd'hui? Parce que vous ne leur avez donné aucune autre vision. Ils n'ont pas le choix. Oui, ce sera à Paris dans peut-être 7 jours, 7 à 10 jours. On va envoyer ça à Paris. Oui, on vend ça aussi. C'est au Cameroun, disponible au Cameroun. On poste aussi. Hein. Donc voilà le livre. Il a été écrit par moi. Ça, c'est quand j'avais encore les longs cheveux des blancs, là. Les perruques. Mais bon, c'était moi ça. Ok. Donc, pour les vacances, achetez ce livre pour vos enfants. Merci, monsieur Onana. Donc, je voulais vous dire qu'en première page, il y a le tableau de vision. Voilà. L'enfant déchire ça. Vous l'avez sur Abidjan. Il colle dans sa chambre. Je suis à Abidjan maintenant. Prenez le numéro pour Abidjan. Ou bien vous faites le dépôt. Demain, on vous envoie ça par Yango. Même ce soir, je vous envoie ça par Yango. Pourquoi pas? Je suis à Abidjan. C'est 15 000 francs le livre. C'est disponible à Louis, au Gabon. C'est disponible à Douala. Quand vous écoutez ce que ma fille fait actuellement, elle a 14 ans. J'ai conçu ce livre quand ma fille avait 10 ans. L'un des premiers exemplaires, c'est elle qui les a remplis. Ce que mon enfant est en train d'accomplir aujourd'hui, c'est ce que Dieu lui a montré. Vos enfants ont quelque chose en eux. Plusieurs choses qu'ils sont censés faire. C'est disponible au Gabon. Vos enfants ont plusieurs choses qu'ils sont censés faire. Vous les envoyez à l'école, ils ne savent pas pourquoi ils partent à l'école. Ma fille a commencé à remplir, elle avait 10 ans. J'ai commencé mon école, elle avait 10 ans. Cette année, elle a 14 ans. Et on va faire la 5e édition de l'école. Donc, ceux qui, dont les enfants sont à Douala, envoyez les enfants à l'école pendant les vacances. Donc, le livre est fait d'activités. Vous n'avez pas besoin d'aider l'enfant. Hein. Donne seulement l'enfant, il fait. Tu mets un téléphone à sa disposition.
Je l'ai conçu de telle façon que l'enfant peut le remplir et il est très interactif. Tout ce que je fais aujourd'hui avec vos enfants dans mon centre, j'ai testé sur mon propre enfant. Là-dedans, mon père, il y a les projets que vos enfants peuvent mettre sur pied. Le plan de vie de vos enfants. À partir de... Si ton enfant a 3 ans et plus, tu dois l'assister. Si ton enfant a 8 ans, à partir de 8 ans, les enfants savent déjà lire. Dans mon centre, les enfants de 8 ans remplissaient ça seul. 9 ans, ils remplissaient ça seul. 10 ans, ils remplissaient ça seul. 12, 13, 14, 17 ans. 19 ans, 20 ans. Donc, voilà le plan de vie de l'enfant. Vos enfants doivent avoir des compétences qui sont extrascolaires. C'est ce que je fais pendant les vacances avec vos enfants. Il y a des gens qui ont déjà payé. Hein. Je vous avais dit que j'ai augmenté le prix. J'ai une dame qui était très sage, elle a payé l'autre jour. Donc, madame, tu vas juste rajouter les frais de transport pour l'enfant chaque matin. Et il y a plein d'activités. Bon, c'est vrai que c'est dans l'ordinateur là-bas. Je vais vous lire les activités qu'on fera pendant les vacances avec les enfants. Donc, je suis en train de tout mettre sur pied pour qu'on puisse tenir certains enfants à distance. Vous devez aussi mettre des finances de côté pour aider vos enfants. Le futur d'un enfant se planifie financièrement. C'est 15 000 sur Abidjan. L'enfant se planifie. Donc j'ai bien dit que je suis en train de mettre tout sur pied pour qu'on fasse des cours à distance pour vos enfants à partir du mois de juillet, mi-juillet. Mais ça demande une organisation de votre part, les parents. Là, c'est la quatrième année que ma fille joue du piano, fait de la peinture, elle fait des tableaux déjà, toute seule. Écrit, chante. Elle a même une chaîne où elle avait commencé la cuisine. Donc cette année aussi, on mettra le make-up professionnel. Et ce n'est pas moi qui enseigne ça à ma fille. Bon, le numéro pour commander le livre, 07, je vais continuer la lecture, à persévérer seulement avec moi. Vous savez que ce que je fais, c'est un ministère, donc je fais ce qu'on me guide de faire avec vous. Bon, je vais ouvrir l'ordinateur, je vais vous donner ce qu'on fera dans le curriculum des activités. Ne dites pas bravo, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Je n'y suis pour rien. Votre problème, c'est que ce n'est même pas un problème en fait. C'est que vous ne savez pas que pendant que vous êtes en train de travailler, l'argent que vous gagnez, une partie de cet argent a été investi sur vos enfants. Peppa Pig n'enseigne rien à vos enfants. Je vous le dis cash. Dans mon centre, on reçoit des enfants aussi jeunes que 3 ans. Ma fille, acting en français, c'est quoi? Elle fait du théâtre depuis mars 2021. Toutes ses compétences, elle s'est assise quand elle avait 10 ans. Elle les a notées. Rien de plus qu'un plan de vie. Et encore plus beau quand c'est dressé par ton enfant. Voilà. Donc, ma fille a appris à utiliser Photoshop quand elle avait 10 ans. Photoshop. J'ai ce livre en version adulte. J'ai ce livre en version adulte. Mais pour un début, je vous conseillerais de prendre ceci pour les enfants. Ce que j'ai prévu pour les enfants, vous-même adultes, pour remplacer. Parce que la version adulte est très lourde, c'est très chargé. Attendez, j'ouvre. Je vais vous lire. On va les activités qu'on va faire.
Je donne le numéro en même temps. Numéro de la Côte d'Ivoire, 0779 0252 05. 0779, ça c'est pour Abidjan. 0779 0252 05. Il a été bloqué avec succès. Pour le Cameroun, le numéro de l'école, 237 698 367 221. 698 367 221. Et pour commander au Gabon, c'est le 241 074 18 00 80. Je suis belle, merci. Je vous donne donc les détails des cours. Première chose, on aura des ateliers de cuisine. Donc tu peux envoyer ton enfant pour une activité, c'est 20 000 le mois. Je crois que ce sera deux fois la semaine. Cuisine, en fonction du matériel à acheter. Si vous donnez 20 000, vous allez sûrement acheter plus de matériel pour la nourriture quotidienne. Enfin, pas quotidienne, quand ils viendront cuisiner. Voilà. Donc, il y aura les cours de cuisine. On voudrait bien mettre l'accent sur les cuisines, les mets traditionnels. Bloqué. Coiffure et make-up. Montage vidéo. Je veux apprendre à vos enfants à faire de l'argent sur TikTok. Il y aura aussi la crypto-monnaie. L'art oratoire. Vous savez votre problème? Vous ne savez pas parler aux gens. Tu as un message en toi, mais tu es caché derrière ta caméra. Je pense que même les adultes doivent apprendre à parler. You need to know how to speak. L'infographie. Cours de secourisme. Non, là, oratoire, c'est la clé du succès, papa. Net, net. Si vous êtes intéressé pour l'oratoire, inscrivez-vous. Quand il y a les liens dans la. Quand vous nous contactez, vous dites vous voulez l'oratoire. Votre problème aussi, c'est que vous n'aimez pas agir. Vous allez m'écouter. Vous n'allez pas agir. Malheureusement. Bon, je continue à vous lire les leçons qu'on fera. Il y a la peinture. Le jeu d'échecs. Oh my gosh. Notre professeur était champion de jeu d'échecs du Cameroun 2019, 2020 et 2021, je pense. Cherchez le nom, c'est lui. En 2021, c'est moi qui dirigeais le centre. Actuellement, ce n'est plus moi. Et j'enregistrais. Donc, un jour, notre caméraman n'était pas là. J'ai enregistré le coup d'échec. J'ai appris le coup d'échec. J'ai appris à jouer aux échecs en une heure. Après, j'ai oublié. Little. Aucun cours dans mon centre n'est au hasard. Ce sont les compétences dont on a besoin pour s'en sortir dans notre société aujourd'hui. Oui. Secourisme est très important parce que c'est important pour vos enfants de savoir. Il y a déjà vidéo, il y a montage vidéo, il y a déjà ça. Mais sinon, peut-être tu viens d'arriver. Il a lu ça. Le secourisme est important parce que
tellement de personnes sont mortes parce qu'on n'a pas su intervenir à temps. Donc, imaginez si votre enfant savait comment prodiger les premiers soins à quelqu'un. Je pense qu'il y a, les premiers soins et il y a l'autodéfense. Ça nous amène au prochain point qui est le judo. On a des cours de judo. Le centre est à Douala Makepe et Douala Dedo. Certains de ces cours seront prodigés à distance pour vos enfants. Combien de femmes auraient fui des mariages ou tapé leur mari si l'homme essayait de les taper? I'm just saying. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on fera pendant le camp de vacances. Ok? Le livre est disponible. Le numéro pour Abidjan. 15 000 le livre. 0779 0252 05. Vous faites un dépôt Wave ou Orange Money. Yaoundé, si vous envoyez les enfants à Douala, pour 3 semaines ou 4 semaines, on peut s'occuper d'eux. On va les héberger. Vous allez payer le loyer, bien sûr. Voilà. Donc, ça peut s'élever à presque 150 000 par enfant, si nous les hébergeons. Ok? Donc, cuisine, oui, coiffure, make-up, montage vidéo, crypto-monnaie, à oratoire, infographie, secourisme et judo. Voilà. Donc, le livre, vous n'avez pas besoin de le livre s'achète n'importe où vous l'achetez. Bon. On sort totalement de ça. Et puis, le numéro du Cameroun de 237 698 367 221. Même si vous écrivez sur mon numéro de la spiritualité, vous demandez le numéro de l'école, ils vont vous le passer. Le livre, c'est 15 000 au Gabon. Queen. 15 000 francs au Gabon. Donc, la pile noire, j'espère que vous avez retenu. On a lu la pile noire. Douala, c'est à Makepe. Ça tiendra derrière, dans mon centre, à Makepe. Tout l'arrière, là, c'est là-bas qu'on va enseigner. Et à Dedo. Le livre au Gabon, 074 18 0080. C'est 15 000 francs au Gabon. 15 000 à Douala. 15 000 à Abidjan. Bon, pour Paris, je crois que j'ai mis pour Paris à 25 000. Parce que 10 000 francs, c'est le transport. Et quand ça arrive là-bas, on vous envoie chez vous. Donc, si je donne 25 000 au Cameroun, ça arrive à Paris, on te poste ça. Je pense qu'on va poster peut-être à 8 euros ou 10 euros. Ou 15 euros. Donc, les 10 euros au-dessus serviront à cela. Ok. Bon. Je termine les lectures des personnes en noir. Si vous ne vous bougez pas pour vos enfants, personne ne le fera. Hein. Me suivez, non. C'est pas le père de tes enfants qui va le faire. Tout ce que vous voyez quelqu'un a développé. Tu vois, la personne chante, la personne danse, la personne. Il y a eu un investissement financier, un investissement en temps, argent et temps. La croix, c'est peut-être 16 000, hein? 16 000, je pense. Prenez le numéro, écrivez sur le numéro, vous leur demandez, s'il vous plaît. Quand tu vois quelqu'un en train d'accomplir quelque chose, il y a eu quelqu'un derrière qui a poussé. Comme tu as poussé l'enfant, il est sorti de ton ventre. Comme tu as porté là. Si tu t'amuses, ce sera un adulte qui va avoir les mêmes problèmes que toi. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, les gens ne croient pas en la puissance du travail qui donne les résultats. Très peu de personnes en Afrique, tu vas les voir dans les Jeux Olympiques, tu vas les voir dans les trucs où ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que les parents ne poussent pas. Vous abandonnez trop par rapport à vos enfants. Et ça prend du temps. Tu peux travailler sur ton enfant pendant 4 ans. Depuis que j'ai commencé l'école, très peu de parents m'ont renvoyé leurs enfants. Et je leur ai toujours dit quand l'enfant arrive au départ, je commence avec ton enfant pour un an.
Donc, si tu n'as rien à faire avec tes 100 000, tu dis, ah, non. Commence quelque chose, je vous assure, tout enfant que vous voyez la percée, le parent a dépensé. Le parent a dépensé. Je me rappelle que j'étais en Angleterre avec ma fille. J'ai commencé à l'inscrire à la natation. Après, là, je l'ai inscrit au tennis. Je me rappelle, c'était fastidieux, c'était fatigant de la prendre à l'école à 17, à 16 heures. On rentre, elle mange, elle se change, tac, on repart au cours. Les cours commençaient à 17h30 ou 18h. Elle finissait à 19h30. On rentre dans le froid, oh, c'est le froid d'un bain. Elle a même fait du football en Angleterre. Premier cours, elle a marqué contre son équipe. Je me rappelle quand je suis arrivée, c'était à Dudley, à West Midlands. On est arrivé, tu vois des papas qui gardent la voiture. Les Anglais savent investir sur leurs enfants. Il ouvre la malle arrière, tu vois 15 ballons. Tout l'équipement de football de son fils. J'ai beaucoup appris quand j'étais en Europe. Très peu, mais ceux qui connaissent le font. Allez interroger le père de Kylian Mbappé. Toute personne que vous voyez pointe aujourd'hui, les parents étaient derrière eux. Ça vous plaît quand vos enfants sont en train de regarder d'autres enfants à la télé? Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que je suis en train de parler. Je sais que vous m'écoutez avec vos enfants, ils sont à côté de vous. Quand l'enfant, il y a cela 2 ans, tu disais que oui, il faut que l'enfant fasse ça. Tu l'as inscrit au football, après toi-même tu as laissé. Parce que c'était trop cher. Certains d'entre vous, vous partez, la boisson que vous donnez aux gens au snack, ça dépasse ce que vous aurez pu investir sur vos enfants. L'enfant est un très bon investissement que plus tard les parents vont récolter les bienfaits. Pour moi, hein, le fait seulement de voir que ton enfant ne subisse pas les mêmes choses que toi, tu as. Combien d'entre vous savent jouer d'un instrument? Moi non, hein, je ne connais pas jouer d'un instrument. I don't have any skills. Je n'ai aucune compétence qui peut te montrer comme ça. J'ai essayé de courir en premier, j'étais fatigué. Je n'aimais pas la résistance parce que ça me fatiguait. J'ai commencé à jouer le piano, j'ai abandonné. J'ai commencé la natation, j'ai abandonné. Combien d'entre vous, vous avez des compétences? Parlez alors. Ok. Aucune, n'est-ce pas? L'enfant, ce n'est pas seulement d'accoucher, il mange. Il mange, il parle, il dort. Il mange, il dort. Tu le mets devant la télé. Oh my goodness. C'est comme ça que vous détruisez vos enfants. Je vous dis cash. Vous détruisez vos enfants. Et parfois, tu es tellement occupé à bosser. Prends du temps, tu aides l'enfant à s'organiser. Après ce livre, j'ai un autre que j'ai fait qui s'appelle « Mon emploi de temps pour réussir ». Vous avez de la peine à discipliner votre temps. Imaginez si votre enfant de 12 ans connaît organiser son propre temps. Oh, what a life! Quel plaisir! C'est pas les moyens qui vous manquent. 15 000 c'est rien pour toi. Mais tu ne vas pas acheter. Ah, ouais, les parents, mon frère, vous m'avez gagné. Je dis toujours. C'est le temps qui va parler. Time. L'enfant ne devient pas automatiquement seul. Ce n'est pas la télé que l'enfant va voir la discipline. Ce n'est pas la télé qui va voir atelier d'organisation, atelier de lecture sur la CIA TV.
sur TF1. Si vous en trouvez, dites-moi s'il vous plaît. Sur TikTok. Oh waouh. Tu as l'enfant de 9 ans. Ta petite fille de 9 ans, là, c'est déjà une femme. Elle est très intelligente. Et il n'y a pas que la danse dans la vie. Je sais pas ce que vous avez vu que tous les enfants doivent danser. Il y a la danse et le football. Tous les jeunes garçons veulent faire le football. Mon fils, je n'empêche pas que tu fasses le football. Mais si tu as au moins 5 autres compétences à côté, c'est bon. La version adulte du premier, c'est 15 000. Tous mes livres, c'est 15 000. Le cahier de vision, c'est 15 000. On n'a pas de temps pour réussir, c'est 15 000. Je crois que je vais faire un groupe pour ceux qui achètent comme ça. On pourra souvent poster des choses là-bas pour que les parents puissent prendre des petits ateliers pour aider leurs enfants. Donc on est en train de travailler. J'ai une équipe qui est en train de travailler dessus. Combien d'entre vous, quand l'enfant a dit de moyenne, ah c'est bien, non, non, mon fils vise l'excellence, vise l'excellence. 2020, quand le corona frappe, j'arrive au Cameroun en 2019, je veux mettre ma fille dans une école à distance. J'avais le flair, je ne savais pas qu'il y avait le corona. Mais en 2019, j'avais eu cette révélation que l'enseignement à distance, c'est le futur. Donc, on n'a pas pu s'accorder, son père et moi. Donc, en août, on décide qu'elle va aller à l'école physique en 2019. Mars 2020, elle est chez moi. Le corona frappe, un 19 mars. Ça a pris le Cameroun. On dit qu'un avion est arrivé, ils sont sortis. Le corona est dehors. Oh, le lendemain, les écoles ont fermé. J'avais déjà conçu le livre, je ne l'avais pas encore imprimé. J'imprime le livre, je le lance. Ma fille commence. Elle reste à la maison et elle met tout ce que j'aime. Tout, elle le fait. Avant le corona, elle était à 13 de moyenne. Avant le corona, ma fille était à 13 de moyenne. Elle passe 2 mois à la maison. Elle apprend la photographie. C'est à 10 ans qu'elle a appris. Elle peut utiliser une caméra. Elle a appris à éditer les vidéos. Elle peut te filmer. Elle édite. Elle met en ligne. J'ai dit qu'elle ne veut pas le mot peur ici. Je vais te bloquer, madame. Tu as compris? Mais j'ai peur. Peur, c'est ton problème. Voilà. Et par-dessus tout ça, elle est à émergence. Il commence l'école en ligne. Donc à partir de mars, elle fréquente à distance. Quand j'étudiais le soir, parfois on dormait à 2 heures. Je me rappelle un soir, j'étais en train de faire des cours. Je voulais ouvrir le restaurant à l'époque. Donc je faisais des cours d'hygiène là. Une nuit, elle et moi, on a fait ces cours-là en ligne jusqu'à 2 heures. J'avais aussi changé sa nutrition. Il n'y avait pas les jus, les sucreries là. Vous donnez trop de sucreries à vos enfants. C'est ça qui les tue. Donc, mais je dois noter ça parce que mon équipe doit parler de la nutrition que vous donnez à vos enfants. Je dois mentionner ça là pour les postes. Donc, elle repart à l'école en juin. Donc, elle fait mars, avril, mai, juin. Juin, elle repart à l'école. Elle quitte de 13 à 18.
Attendez, je note ça. Sinon, il va oublier. Ok, c'est fait. Florence, bonsoir. Quand j'ai vu sa moyenne a changé, j'ai su que ce que Dieu m'avait montré, c'était ça. C'est comme ça que je prends mon premier argent, j'imprime les premiers livres. Je les vends. Je prends l'argent de la vente, j'imprime les deuxièmes. C'est comme ça qu'on a eu ces livres maintenant. Ça, c'est la version la plus propre que j'ai faite. Avec la couverture nickel. J'en ai imprimé, on a fait 500 exemplaires. Ouais. Vous, briser les malédictions familiales aussi, ça veut dire qu'on donne une meilleure chance à nos enfants. Je ne veux que les personnes sérieuses dans mon direct, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on vous distrait, parle-moi. C'est pas le moment. Donc, briser les malédictions familiales de sa famille, ça veut aussi dire qu'à partir de moi, on ne souffrira plus. On ne sera plus pauvre. On ne va pas arrêter l'école en cours. Bonsoir, monsieur Mohamed. Comment vous allez? M'appeler ma reine. Les malédictions se brisent en prenant des actions conscientes. J'ai un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « Comment planifier le futur de son enfant ?» Disponible aussi. Et ce livre, la révélation que le Seigneur m'avait donnée, c'est les livres que généralement j'ai conçus quand j'étais dans les nuages, dans une vision spirituelle, je note. Donc, là, il m'a montré en fait que, avant que tu conçoives l'enfant, la destinée de l'enfant commence. Ils sont disponibles sur quel site? Actuellement, vous commandez, on vous les envoie. Le site est en conception. Ok? C'est pas encore sur Amazon. Avant que tu ne conçoives l'enfant que tu as, les enfants que tu as. Donc dans ce livre, je vous prends dans le cheminement qui commence avant la naissance. Et je vous prends sur un processus qui vous fait comprendre que cet enfant-là n'était pas un hasard. Vous savez ce que c'est que de... Peut-être vous êtes, ok, on s'est connus, on avait 16 ans, on t'a eu quand on avait 20 ans, et on s'est séparés quand j'avais 24 ans. Et actuellement, ton père et moi, on est en parlant de bons termes. Tu sais comment ça déstabilise l'énergie de l'enfant? Oh, boy. Boy. Ça fait que l'enfant est déboussolé. Tu n'as même pas besoin de dire un mot. Maintenant, quand tu restaures l'énergie, en travaillant sur moi, j'ai des choses que j'ai découvertes. Sur ma naissance, sur mon avant-naissance, sur mon enfance, ça m'a aidé à me comprendre. Imaginez si vous tenez un journal qui permet à votre enfant de se comprendre. Si vous lui partagez cela, comment il va se retrouver? Comment il va se comprendre? Merci Carlos. Comment il sera moins déboussolé? Beaucoup de vos enfants ont des crises d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce que vous-même, vous vous cherchez. Et ne prenons pas trop pour excuse que je me cherche. Maman, tu te cherches depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire en cours. Le mensonge du diable sur nous, c'est que, oh, je dois me trouver avant que j'aie mes enfants. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait dit. Si tu peux prendre quelque chose de cette vidéo.
Il n'y a jamais le bon moment pour avoir un enfant. Il n'y a jamais le bon moment pour investir son enfant. Il n'y a jamais le bon moment. Jamais, never, 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 ever. Il y aura toujours un truc. Et je vous annonce qu'il n'est jamais trop tard. Ton enfant peut avoir 19 ans, je te dis, ah, je ne sais pas, je n'y crois plus. Non. Tu vas te battre pour la destinée de ton enfant. Tu lui dois ça. Il y a des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Vous les avez conçus. Vous les avez accouchés. Vous leur devez ça. Je sais qu'on dit que je suis trop radical. Je suis camerounaise, dans mon passeport. Mais dans mon esprit, je suis une femme de la terre et de l'eau. La culture camerounaise dans laquelle j'ai grandi, les Camerounais n'aiment pas investir sur les enfants. On vous donne le strict minimum. Et investir sur l'enfant, ce n'est pas seulement de lui acheter les habits. Ce n'est pas de l'amener en bain. Ce n'est pas parce que tu vas faire le passeport de l'enfant, il arrive avec la nationalité qu'il a réussi. Au contraire, tu l'exposes. Vous savez ce qui se passe là-bas en Europe. Nous sommes un ensemble de peut-être 4 cousins. Et c'est un groupe de 4 ou 5 enfants. À un moment, on était tous, tous ces enfants étaient dans la même maison. Et ma façon de faire mon parenting a toujours été différente. J'ai toujours été très rigoureuse. Très. Et un jour, un de mes cousins et moi, on s'est vraiment embrouillé parce que les 4 enfants ont fait une bêtise. J'ai puni mon enfant et j'ai voulu punir le sien. Oh là là, comment il m'a ramassé? Non, le stress, devant son enfant. Ne stresse pas mon enfant. Non, tu vois, ce que notre grand-mère nous a fait là, tu ne vas pas faire ça à mon enfant. Il dit, waouh, ok. Je dis toujours, c'est le futur qui parlera. Investir sur son enfant, ce n'est pas seulement de lui acheter les jouets. Le futur de ton enfant se dessine d'abord à travers ta vision, sans l'impliquer. Qu'est-ce que tu vois de ton enfant? Qu'est-ce que tu penses de ton enfant? Qu'est-ce que tu parles à propos de ton enfant? Et le dernier, c'est qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Dis à ton enfant, c'est le dernier, c'est la dernière étape. Allez comme ça là. Dis bien, ce que vous dites à vos enfants, c'est la dernière étape. Les Africains négligent beaucoup leurs enfants. Et ce n'est pas parce que je vais t'amener au restaurant, tu vas manger la glace, tu vas manger les frites, la pizza, que je t'aime. N'ayez pas une image tordue de ce que c'est que aimer son enfant. Don't have a twisted view. Of that thing. Tu as acheté la dernière tablette à ton enfant. Tu as acheté le iPhone à ton enfant. No, girl. Non. Parfois, vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas fait d'efforts dans le passé. Pour compenser. Ça se passe souvent avec des hommes. L'enfant vit avec la mère. Et le père visite l'enfant de temps en temps. Quand il voit l'enfant, il veut tout lui acheter. Pour compenser le fait qu'il ne soit pas là et pour faire que l'enfant l'aime et qu'il voie mal la mère. Si tu sens que tu dois empêcher cet homme de voir son enfant, fais-le. Cache, moi je vous dis. Patricia a bien dit, parmi nous les mamans, il y a des mamans qui n'ont pas d'orientation pour leur propre vie. Oui.
Ton enfant ne dépassera jamais ce que tu n'as pas, ce que tu as vu pour lui. C'est pour ça que si vous ne pouvez pas, ce livre, je l'ai conçu pour que ça permette à l'enfant de créer sa propre vision. Parce que si ta foi échoue pour ton enfant, la foi de ton enfant peut réussir pour lui-même. Je répète. Si ta foi échoue pour ton enfant peut créer une vision et développer une foi pour sa propre vie. Donnez des armes à vos enfants. Ce n'est pas suffisant pour que l'enfant va découvrir ça. Là-dedans, il y a des exercices qui permettent à l'enfant de découvrir, d'étudier la vie des gens. Je guide l'enfant. C'est comme s'il avait une conversation avec moi. Et c'est récemment que mon oncle m'a dit que je fais ça depuis que je suis petit. Quand il était petit, il rassemblait les enfants du quartier. Je leur apprenais à être propre à la maison. J'avais oublié moi, mais je ne savais pas qu'ils faisaient les deux comme ça. Oui. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Tu as tes 4 enfants qui se sont convertis à l'islam. Je respecte cela. Si c'est leur choix. Tu ne t'assois pas pour réfléchir. Et voilà les vacances. Hein. Voilà les vacances. Vos enfants seront à la maison. Ils vont s'ennuyer. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Une dernière fois. C'est du gâchis. Si ton enfant, et je crois fermement, nos enfants sont plus intelligents que nous. J'ai appris à éditer les vidéos en 6 mois. Ma fille a appris ça en 2 jours. Elle avait 10 ans. Vous voyez la différence? Elle avait 10 ans. J'ai commencé sur TikTok en 2022. Depuis décembre 2019, ma fille me demande d'aller sur TikTok. Imaginez si je l'avais écouté plus tôt. Certains d'entre vous, vos enfants ont une vision. Dieu leur parle. Et vous ne les écoutez pas. Et malheureusement, ce que vous mettez devant eux, ça étourdit leur esprit. Je suis allée chez une cliente l'autre jour. Elle a une télé de 90 pouces à la maison. Je ne sais pas, ça prenait tout le mur. Je ne sais pas combien de pouces. Son fils de 12 ou 14 ans, très bien élevé, gentil. Il sort de la piscine, il vient se mettre sur Netflix, après il va sur la PS. Je force, je le coupe de ça. 30 minutes plus tard, son fils veut passer du temps avec moi. Tata, tu reviens quand encore? Vous n'êtes pas obligé de mettre vos enfants devant la télé tous les jours. Vous n'êtes pas obligé. Et voilà la rentrée qui arrive. Je vous ai dit que derrière ce livre, ici vous avez la possibilité de planifier les 20 prochaines années de vos enfants. Dans ce livre. Pour mes 15 000 qui te demandent pour le livre aussi. Si tu prends, tu ouvres, tu remplis seulement le derrière. Et croyez-moi, tout ce qu'on écrit se réalise. Si on le fait avec la foi. Tu envoies ton enfant à l'école, le voilà qui va composer le bac, il ne connaît pas ce qu'il va faire après le bac. Le voilà. Si il te demande que dans 2 ans ton enfant sera où, tu ne connais pas. Ah si, moi je pense, oh là là, j'ai trop vite habitué mes enfants aux conséquences de leurs actes. On s'assoit. Pour tout ceci, on s'assoit ensemble. Je demande à ma fille, tu dis que tu veux faire quoi? Et avant de lui demander ce qu'elle veut faire, ce n'est pas qu'elle va me dire que je veux faire TikTok. Dans ce livre aussi, je vous permets, il y a des exemples de personnes que vos enfants peuvent étudier, les personnes qui ont impacté le monde. Vos enfants, là, leur tête est vide actuellement, ils ne connaissent pas.
Jodika, tu es dans quel pays? Vos enfants actuellement, si on leur demande que tu veux devenir comme qui, ils ne connaissent pas parce que sa tête est vide. Ils connaissent mal les TikTokers. Ils disent nanana. Vos enfants vont réussir au nom de Jésus. Inch'Allah, vos enfants vont réussir. Par la grâce d'Allah, vos enfants vont réussir. Parfois, l'enfant passe le bac, il ne sait rien faire d'autre. Il ne peut pas arriver quelque part, il travaille, on le paye. Tu l'envoies en vacances chez quelqu'un, la personne le renvoie après 2 jours. Tellement ton enfant est inutile dans une maison. J'apprends aux enfants ici à chercher, à lancer des projets. On avait des cours d'entrepreneuriat l'année passée dans le centre. Bon, je vais quand même m'arranger pour qu'on insère ça, l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat dans le livre aussi. Le plan de vie des enfants, c'est derrière. Le tableau de vision des enfants, c'est au devant d'abord. Première page, c'est le tableau de vision. Je vous ai montré déjà. Ton enfant ouvre comme ça. Il coupe ça. Il scotche ça sur son mur. Il colle, peu importe. Il doit remplir. Vous rappelez, non, je vous enseigne généralement dans mes ateliers avec la roue de la vie. La roue de la vie. Si tu n'as pas eu cette chance, donne-la à ton enfant. Tout ce que mes parents ont échoué sur moi, je suis en train de faire sur mes enfants. On fait, on ne dit pas. On fait. Le pouvoir d'une vision, c'est genre, dès que tu as vu, tu as écrit, c'est comme si tu as lancé des forces. Il y a des forces que tu mets en motion. Vous me suivez, non? Donc, je vous confirme qu'il y aura des cours à distance. Mon équipe va travailler là-dessus. Maintenant, ce sera à vous d'inscrire vos enfants. On ne peut, je n'ai pas le choix, il faut qu'on le fasse. On doit faire les cours à distance. Maintenant, si vous voulez envoyer vos enfants, j'ai bien dit, on peut les héberger à Douala. Vous payez l'hébergement. C'est pas comme si vous manquez l'argent. C'est pas comme si vous manquez l'argent. Quand on voit un problème, on y remédie par les actes. C'est ce que j'ai compris de la vie. On ne parle pas seulement. On remédie aux situations par les actes. On ne parle pas seulement. J'espère qu'ils vont me laisser sortir de ceci. Parce que apparemment, ce que je dis est très important. Vous imaginez que le futur de vos enfants dépend de vous? Pour moi, quand j'ai vu ma fille pour la première fois, quand j'ai accouché, il ne s'agissait même pas de dire, oh, j'ai l'enfant. Les gens vont voir que j'ai l'enfant. Non.
j'ai senti une lourde responsabilité sur moi. Le tout, c'est pas d'accoucher. Ah, j'ai aussi l'enfant. On va plus se moquer de moi. Ça, c'est pour les petits. Et c'est ça. Imagine, tu as l'enfant et l'enfant réussit. Oh. C'est un autre niveau. Let your child succeed. Let your child succeed. Mon fils, moins de 10 ans, dit souvent qu'il sera milliardaire. Il aime parler d'or et de diamants. Je suis sûre que tu ne fais rien pour l'aider dans ce sens, chérie, n'est-ce pas? Soyez un peu honnête, je ne veux pas vous exposer. Est-ce que tu as essayé de mettre quelque chose en place pour aider ton enfant déjà à ce que ses idées grandissent? Il y a des auteurs auxquels vous devez exposer vos enfants tôt. Il y a des audios, des choses. Certains d'entre vous, vos enfants écoutent mes vidéos. Quand vous ils écoutent avec vous là, croyez-moi, ils me saisissent plus que vous. Hein. Vos enfants me saisissent plus que vous. Quand vous asseyez avec l'enfant, vous regardez là. L'enfant là écoute plus que vous. Bonjour Abdoulou. Je pense que la prise de conscience chez les parents est importante. Et le tout, ce n'est pas d'amener tes enfants en Europe. On peut réussir en Afrique. Laissez-moi vos choses là. On réussit en Afrique. Fine, si c'est. On réussit en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de papas qui m'écoutent. Voilà les vacances. Juin, juillet, août. 3 mois pleins que vos enfants. Planifiez-moi les 3 mois, c'est à vos enfants, vous allez voir. Tu as bien dit, on échoue aussi en Europe. Ah. Ta nièce de 2 ans, elle aime bien m'imiter. Bonsoir, Flore du Togo. Ok. J'espère qu'ils vont me laisser passer. Est-ce que je peux passer? Je peux avancer? Patricia. Ce que je dis mérite un séminaire de plus de 10 000 francs à la place. Tu es dans un quartier où les enfants passent la journée à jouer dans la rue, matin au soir. C'est vrai que parmi les enfants, il y a des chanceux. Mais chaque parent devrait vous écouter et mettre en pratique. Avant, je faisais des ateliers de parents. J'appelais ça Better Parenting. Je crois que je devrais en faire cette. C'est quelqu'un qui regarde mon planning. Hein. J'ai tellement à faire. Avant que je ne sois dans la spiritualité, j'avais déjà ouvert ça pour les enfants. Je suis à ma 5e édition cette année. Je fais la spiritualité depuis 3 ans. Donc j'avais à commencer ça 2 ans en avance. Jean, ne me tutoie pas comme ça. Oh, on ne se connaît pas. Il m'a manqué de respect aux gens priés. Nous avons grandi ensemble. Mais par la grâce, je suis en train de déployer et de sectionner les départements. Et c'est en train de se passer merveilleusement bien. Dans les ateliers Better Parenting, les parents venaient et il y avait des séances où on planifiait le futur de leurs enfants. Il y avait des séances où on parlait de... On prenait des thèmes particuliers et on les développait pendant le séminaire. Je les faisais une fois par mois. Après, j'ai perdu le local dans lequel je travaillais. Ça, c'était le dernier que j'ai fait, c'était en 2020. Et les parents, c'était un peu comme des... C'était des parents riches, hein. Ils ont beaucoup d'argent, mais c'est comme s'ils n'avaient jamais pensé à ça. C'est ça. Bonsoir Auriel et Aurel. Je
j'essaie de voir si je peux avancer. Donc ça permet de découvrir la mission de vie chez l'enfant, découvrir son potentiel, développer sa vision, avoir confiance en soi, développer son autonomie, apprendre par lui-même, utiliser les moteurs de recherche web, développer sa créativité, développer l'esprit de patience et de persévérance, développer le goût pour la lecture et mieux se connecter avec ses parents. Je vais donner le numéro pour acheter le livre. Si vous êtes au Cameroun, contactez ce numéro. 237 693 50 22 66. Ça, c'est le numéro du spirituel. Prenez le numéro de l'école. 237 698 367 221. Abidjan pour commander le livre, 07 79 02 52 05. 07 79 02 52 05. Ok, voilà, ils me permettent maintenant de fermer. Donc je ferme ceci et je déclare que ce que vous avez écouté, vous allez le mettre en pratique à bon escient. Ne mettez pas de lourdes responsabilités sur vos enfants. C'est toi qui vas me sortir de la galère. Sortez vos enfants de la galère. Ok. Bon. Ça, c'est un message indépendant de tout ce que je viens de dire. On poste au Togo. Prenez le numéro dans ma bio, vous écrivez pour le Togo. Je cherche un point de vente. Si vous avez un point de vente au Togo, vous me faites signe. Ok. Attendez, j'ai ce message pour quelqu'un. Ok. Tu as commencé à mettre des briques sur pied pour construire un mur. Et récemment, tu as traversé une période de découragement très forte. Je vois même quelqu'un qui a abandonné totalement. Ça aura un sens. It's gonna make sense. It's gonna make sense. It's gonna make sense. Les enfants qui sont en Europe, c'est à partir du 1er juillet. Ça aura un sens. Donc pour Yaoundé, si vous pouvez faire venir l'enfant à Douala, ça m'arrangerait. Donc j'ai donné le numéro de l'école. 237 698 367 221. Wow, il y a une idée qui ne fait que venir sa part. Attendez, je dois saisir l'idée là. Les idées, ce sont des instructions, en passant. On ne doit pas vous forcer.
237 698 367 221. J'oublie très peu. Comment ça se fait que c'est parti comme ça? Reviens. Reviens, idée. Reviens. Ok. Prenez de quoi noter nos... Quelqu'un a écrit le numéro ici, je vais épingler. S'il vous plaît, rappelez-moi ce que j'ai oublié. Merci. Tu faisais partie d'un plan. Et... je vois quelqu'un ici là qui a en même temps de l'adversité. Donc, depuis qu'elle n'est pas là, vous n'avez pas noté le numéro. What? What the F? Personne parmi les gens qui me suivent dans le numéro. Ne notez pas le numéro, hein, vous expliquez. C'est pas ça. C'est pas ce numéro-là. Bon, je continue. Je disais bien ici, quelqu'un a... beaucoup de... tu as investi beaucoup dans un projet, dans quelque chose. Nabosène, c'est pas ça. C'est pas ce numéro-là. Donc toi-même, Nabosène, tu n'as pas noté le numéro de l'école. Ah. Ah. J'ai donné un numéro ce soir. C'est la première fois que je donne ça dans mes directs. Je n'ai pas noté pour aujourd'hui là. C'est comme s'il y a même une malédiction d'abord qui fait que vous-même là, vous ne fassiez rien de différent pour vos enfants. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est le collier que tu veux, j'ai à donner un numéro pour ça. Alors ne me dérangez pas. Je fais la lecture de la pile verte. Vous avez un manque d'attention qui est extraordinaire. C'est quand même désolant. Même si Dieu fait descendre un ange qui s'arrête sur la route et vous dit « Je suis l'ange », Dieu te prévient, ne fais pas ça. Deux minutes plus tard, vous serez sur TikTok et vous allez oublier ce que Dieu vous a dit. Les instructions qu'on vous donne, c'est pour mettre en pratique. C'est dommage. Vous voulez qu'on vous parle. Les dernières choses qu'on vous a dites là, vous avez fait quoi avec? Hein? Parle-moi. Parle-moi. C'est dommage. Seigneur, comment est-ce que tu vas aider ta génération si? Comment? Vous êtes distrait. Là, ce soir, tu as deux idées qui sont venues. Tu sais ce que tu dois faire. Tu ne les as même pas notées quelque part. La raison pour laquelle je suis toujours sur TikTok, c'est parce que sur 50 vidéos bizarres que TikTok va te montrer, qui ne vont pas t'aider à quelque chose, tu auras une vidéo. Quand je tombe sur la vidéo, oh, je fouille dans le profil de la personne. Je note les instructions qu'on me donne. Je planifie comment je vais mettre en pratique ce qu'on m'a dit.
Le problème de notre génération, c'est qu'il y a trop d'informations qui nous sont données en même temps. Vous êtes devenu léger. Il y a toujours une qui envoie un message. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ne soyez plus léger dans vos choses. Dieu va te donner quelque chose qui va t'aider, qui va changer ta vie. À travers une idée. Si tu tombes sur la vidéo, sur l'idée, et tu ne la saisis pas. Beaucoup de choses qu'on voit dans la Bible, on dit que le Seigneur lui a paru. La parole de l'Éternel vint à lui. Non. Non. C'est une idée qui lui est venue. Et vous, ça cache. Oh, ah. L'idée lui est venue. L'ange lui est apparu dans une vision. Genèse chapitre 12. Allez voir l'appel d'Abraham. Attendez, je vais chercher ça, je vais vous lire. Les gens pensent que de nos jours, Dieu va seulement descendre tout le temps avec une trompette. Je suis Dieu, je veux te parler. Oh, c'est dommage. Attendez. Attendez, je vais vous lire ça. Genèse 12. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, vous pensez qu'il lui a parlé comment? S'il vous plaît, je sais pourquoi je vous demande ceci. À votre avis, Dieu a parlé à Abraham comment? Comment écouter la voix de Dieu? Ça, c'est l'une des questions qui revient très souvent hein, quand les gens posent des questions. Par le songe. Quelle est la dernière fois où tu as noté tes songes? Je pense que c'était même sous forme d'idées. Il est resté comme ça, là, il a une idée venue que fait comme ça. Parce que quand c'est le songe, on le précise. Continuons. Genèse 12 toujours. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. On ne dit pas qu'il apparut en songe. Quand c'est les songes, la Bible dit songe. Voilà deux messages clés qui ont bougé Abraham pour qu'il agisse. Deux. Continuons. Verset 9, j'aime bien. Abraham continua ses marches. C'est ça qui fait qu'il marche beaucoup. La parole de l'Éternel me vient. Va à Douala. Je commence mes marches. Bon, je suis la mère de mon bébé. La mère de ma queen. Abraham continua ses marches.
continue aussi ma lecture. J'ai encore un truc que je vais vous montrer. Unchangeable God. Bon, Genèse 13, Abraham est déjà riche. Il cherche comment Dieu communique avec lui. Attendez. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, c'était pas dans le songe. Continuons. Genèse 15, un autre endroit où Dieu parle. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Vous avez souvent les visions, non? Eux, ils prenaient leur vision au sérieux. Ils ne venaient pas sur TikTok pour dire aux gens que j'ai rêvé, ça veut dire quoi? Ah ah! Ça veut dire quoi? Tu vois, pourquoi Abraham n'a pas fait le live pour parler de ses visions aux gens? Il allait agir. Ça veut dire quoi? Vraie lumière. Dieu est venu dire à Sarah qu'elle va accoucher. Ça veut dire quoi? Continuons. La parole de l'Éternel est venue à Abraham. Abraham répondit. Ça veut dire qu'il avait des conversations. Beaucoup d'entre vous avez des conversations intérieures avec Dieu, mais vous ne savez pas que vous interparlez avec Dieu. You don't know you're talking to God. You don't know you're talking to God. God in you. God in you. Dieu en toi. Seigneur. Donc, Dieu vient lui dire, ne crains point Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Ah Seigneur, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Ah, ma batterie vient mourir. Batterie, frise. Ok. Alors, verset 4, Genèse 15, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Il avait des conversations avec Dieu. Verset 6, Genèse 15. Il part, il prend les animaux, il sacrifie, il dépose. Les périodes où on fait des sacrifices pour vous, ou bien vous faites des sacrifices, autour de ces périodes-là, c'est très important, vous aurez des messages. Parfois, quand il part sur les lieux sacrés pour travailler, je reste là-bas, je dors, dans la ville, s'il n'y a pas d'endroit sur le lieu sacré. Donc, au coucher du soleil, Genèse 15, verset 12, allez bien. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, l'Éternel dit à Abraham, dans le sommeil. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, nanana, dans, il commence à lui donner des promesses, nanana. Il dit à la quatrième génération, nanana, 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 nanana. Et c'est là que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Fin de l'histoire. Bye bye. Un roi, chapitre 3. On va faire des sacrifices sur la tête de Salomon. Salomon finit de faire sacrifice. Il se couche, il dort. Dans la nuit, l'Éternel vient parler à Salomon. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 3. Demande-moi ce que tu veux. Je te l'accorderai. Et si c'est possible que tu dors, tu rêves. Tu te réveilles. Ce que tu as rêvé là, tu crois que c'est ce qu'on t'a dit. Tu continues à vivre sur la base de ce que tu as rêvé. Réveillez-vous comme les témoins de Jéhovah disent.
Lucy, réveillez-vous. 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 Monsieur Abraham, bonsoir. C'est bien de lire l'histoire d'autres personnes, mais quand ça nous concerne, ça devient compliqué. C'est très beau de lire l'histoire des autres. It's beautiful. It sounds good. Bonsoir sorcière, bienvenue dans mon live. J'attends ce qu'on va me dire encore. Donc, soyez patient avec moi. God is not done with me. Oh, God is not done with me. He's just getting started. And I'm right here for it. Be patient, patient. Parfois, je prévois quelque chose dans mon direct. Et... Après, je suis toujours dans mon direct. Je fais le direct avec au moins 15 personnes derrière moi. C'est parce que certains d'entre vous ne les voient pas. Je ne suis pas là pour expliquer vos rêves, madame. Je vais vous bloquer. I know you've been waiting for a miracle. J'attends le téléchargement. Quand ce sera plein, je vais vous dire. I know, I know, I know, I know. Every ending is a new beginning. God is never late, never, never late. Can never be late. He's just getting started, and I'm right here for it. God is not done with me. Oh, God is not done with me. Bon, c'est bon, je crois qu'on a téléchargé tout.
Merci d'abord, Choco. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. J'ai presque terminé. Hein. Merci. Super, vous avez été patient. On prend la lecture des vertes. Vous avez l'entrepreneuriat qui vous tracasse, qui vous tourmente depuis longtemps. Et je nettoie l'atmosphère d'abord. Vous allez construire un business qui va vous permettre de financer vos enfants, de financer les études de vos enfants. Et quand je parle d'un business, tu vois, une activité qui aura des ramifications. Tu vends peut-être des vêtements, la nourriture. Donc, tu ne n'apportes pas un seul service, mais plusieurs. Pardon. Donc, il y a quelqu'un ici, là, tu dois prendre le kit des envoûtements. Ça va t'aider. Ok. Cette activité doit être basée en ligne et tu dois beaucoup communiquer dessus. Peut-être tu vois que quand tu as été commercial dans une entreprise où tu as fait du marketing ou de la vente, et on te montre que tu dois former des gens dans ce sens-là. Ne néglige pas ce que tu portes. Peut-être dans ta ville, tu ne connais pas quelqu'un qui fait ça, mais tu dois le faire. Et tu vas aussi rentrer dans un moment où tu vas faire des partenariats avec d'autres personnes. Tu ne seras pas seul. Donc, je vois aussi quelqu'un qui ne travaille pas assez sur elle. Tu as trop des creux. Un moment tu es high, un moment tu es low. Donc c'est parce que tu ne travailles pas constamment sur toi. Même le lavage au sel, tu ne le fais pas constamment. Une fois en passant. C'est pas bon. Je vois aussi quelqu'un que très rarement, mais ça arrive, tu as l'impression que tu es connecté. Tu reçois beaucoup d'instructions des astres. La lune te parle. Le soleil, tu communiques avec. Mais, tu aimes beaucoup les bains de soleil. Je crois que tu as pris un bain de soleil aujourd'hui. Et en prenant le bain de soleil, tu te sentais bien. Je vois aussi quelqu'un qui aime beaucoup la plage. Tu vis à côté de l'eau. Tu aimes très souvent aller laver et plonger les pieds dans l'eau, marcher sur la plage. Tu communiques avec les éléments. Mais tu négliges. Parce que les idées que tu as pendant que tu es en train de communiquer avec eux, ce sont les idées qui vont guérir la planète carrément. Tu as des idées révolutionnaires dans ta vie. Mais tu as peur parce que tu ne sais pas qui va venir. On me dit que même si tu dois faire dans ta chambre, commence dans ta chambre. Salut Livia. Et c'est comme si tu as beaucoup d'idées. Ils vont te montrer comment résoudre l'énigme des finances qui pèse sur toi. Donc ne t'en fais pas. Ça, c'est la pile verte que je suis en train de faire. Tu es comme une architecte. Tu es une stratège. Un stratège. Tu peux voir, donc, si tu arrives quelque part, tu passes, tu vois, les gens sont en train d'essayer de bloquer quelque chose. Il suffit que tu regardes pour qu'on te montre la solution. Quand tu dis, si c'est toi, ça vibre dans ton corps et tu le sais. Si c'est toi, tu le sais. C'est pas besoin que. Mais malheureusement, dans le passé, les personnes t'ont approché pour sucer ton énergie, voler tes idées. Et ils ont pu le faire. Ce qui fait que ça, ils ont pris même tes opportunités. Je vois quelqu'un qui a fait voler tes clients dans le passé. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, il a vendu ta marchandise, il a pris ton argent. Ne t'en fais pas. Je vois aussi quelqu'un que tu as beaucoup hésité. Je crois qu'on a publié sur la page l'autre jour, on a besoin des bénévoles. Peut-être souvent tu pars dans un orphelinat. Si tu apportais un carton de sucre à l'orphelinat, on peut bien travailler avec toi pour que tu apportes maintenant 10 cartons de sucre. Tu dois aider les autres. C'est là que réside ta protection et ton activation. Tu vois qu'il y a un moment, quelqu'un est venu à côté de toi. Il a voulu que toute l'aide que tu as apportée aux autres, que tu diriges, ça vers lui seul. Et c'est ça qui t'a sucé en fait. C'est ça qui te vide de ton énergie. Parce que l'énergie que tu es censé apporter à 10 000 personnes, tu es en train de donner ça à une seule personne. Les guides te parlent. Tu le sais. Ça va aller. Ok? Il y a des dons que tu dois commercialiser. Oh, thank you for the flowers. Oh my goodness, thank you. Je me rappelle que depuis l'autre jour, j'ai acheté une couronne de fleurs. Je vends même les couronnes de fleurs. Qu'est-ce que je dis? Je dois prendre une couronne de fleurs dans mon stock.
Je dois emporter. On m'a montré ça depuis l'autre jour. Merci. Tu vas commercialiser tes dons. Salut, Suzy. Tu dois commercialiser tes dons. Tu es dans une bataille. L'ennemi connaît que ce sont tes dons qui vont aider les gens. Toi-même, tu connais. Il faut que tu coupes. Et n'attends pas d'avoir suffisamment d'argent. Arrête. Je vois souvent te dire, souvent les samedis ou les dimanches, je te dis, va aider dans l'orphelinat, non. Oh, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas. Voilà un truc qui te bloque énormément. Je vous ai dit que je cherche les personnes qui vont souvent préparer pour aller dans leur ville, donner dans la rue. On va vous donner les sous pour le faire. Contactez. Je vois que si tu es un soldat de lumière. Ah, on m'a donné, j'ai une révélation aujourd'hui. Ok? I was like, oh my gosh, oh my gosh. Ok. Les anges terrestres que nous sommes ont fini par prier le ciel. Vous avez voyagé, vous ne m'appelez plus. Yacine, on se connaît. Réponds-moi s'il te plaît, Yacine, avant que je te bloque. Parce que quand on m'attaque dans mon live, comme si on se connaissait, on se connaît. Si oui, explique-moi, s'il te plaît. Donc, je reviens sur ce que je disais. En tant que le magasin des salons, dans quelle ville, s'il te plaît? Quel salon? Oh là là. J'ai acheté un salon chez toi. Au Gabon? Ah! C'est juste que j'ai pris le salon égyptien. Oui, ok. Je ne suis pas à Libreville depuis un mois. C'est vrai que j'ai depuis au moins ce... Depuis un peu, ça fait un bout, je ne suis plus à Libreville, vraiment, vraiment. Mais je reviendrai. Dans 3 semaines, je suis à Libreville. Un flash, merci. Donc, il faudrait que tu m'écrives sur WhatsApp et j'ai perdu ton numéro. Et je voudrais acheter un autre salon en passant. Parce qu'on doit aménager un endroit là. Donc, si tu m'envoies des photos, on peut voir, s'il te plaît. Ok. Et je t'avais demandé, tu m'avais dit que tu allais demander chez vous là-bas en Égypte. Le tableau pour le mur là avait des écritures en arabe. Merci. Écris-moi s'il te plaît, Yacine. Je n'ai plus ton numéro. Bon, merci Yacine, je vais continuer. Ok. Ce que Jean m'a dit aujourd'hui, en tant que soldat de lumière, Elisa, si tu veux me rencontrer quand je suis à Libreville, merci à toi aussi Yacine. Si tu veux me rencontrer quand je suis à Libreville, tu vas payer. Quand je viens, on va t'appeler. Ok? Et si tu attends, quand je fais jamais des flashs. Je ne m'annonce pas trop quand je suis quelque part. Donc, ok. Je ferme tout ce que j'ai dit d'ailleurs. En tant qu'ange de lumière, je suis sur Abidjan. En tant qu'ange de lumière, les anges vivent au ciel. Et plus tu continues à être un ange pour la vie des autres personnes, plus ton univers se transforme et devient comme le ciel. I was like, wow. Ah oui, j'ai reçu le message, Monsieur Awad. Oui, c'est arrivé. Like, wow. Pour moi, c'était like, pff, révélation, quoi. Tu ne peux pas aider les gens et tu souffres. Bonsoir Janine. Ça devient comme une arme. Bonjour Amélia. C'est comme une arme et une protection sur tes finances, sur tes enfants, sur ton mariage, sur ton business.
J'ai créé l'association Leaders pour permettre aux personnes qui sont déjà en activité d'avoir une structuration et faire du bénévolat. Si vous ne pouvez pas venir physiquement faire du bénévolat, participer financièrement. Donc, on a besoin des personnes qui peuvent, pendant les vacances, on va faire des descentes dans les orphelinats. On va vous former, on vous donnera des formations. Si vous êtes formateur, vous pouvez nous rejoindre. Si vous êtes, vous avez du temps, vous pouvez nous rejoindre. Minimum 2 heures la semaine, c'est pas tuant. En 2 heures par semaine, tu peux aider quelqu'un. Supposons que tu peux enseigner comment faire des cocktails. Hier à Abidjan, j'ai rencontré une dame qui sait faire, elle est quoi? Elle sait faire des cocktails. Elle fait des ateliers, des choses comme ça. Le numéro pour payer la dîme, c'est le 237 situé au Cameroun. 237 6 93 50 22 66. Cédric, tu es dans quelle ville? Donc, elle sait faire des cocktails et elle organise des événements. Donc, sa participation dans l'atelier, elle va organiser les descentes sur le terrain. Donc, à Abidjan, on va faire à manger et on va organiser pour donner aux gens. Voilà. Maintenant, il y a des personnes qui parlent bien anglais et qui pourraient venir faire du bénévolat pour enseigner l'anglais. On voudrait bien faire ça. 2 heures, 3 heures la semaine, ça peut aider. Si tu as Yaoundé, c'est le 693 50 22 66. C'est sur la page. Toute ma page est bondée de mes numéros. 237 6 93 50 22 66. Donc je continue cette lecture que j'avais commencée. Il y a quelqu'un, tu es en train d'être guéri. Je dis que, even if it's online, même si c'est en ligne que vous pouvez enseigner, vous nous faites signe, s'il vous plaît. Ne vous sentez pas bloqué parce que, oh, je suis à distance. Non. Pour Yaoundé, je n'ai pas encore finalisé avec le local. Mais je veux que vous enregistrez, vous. Donc, quelqu'un est en train d'être guéri à ton genou gauche. Tu avais une douleur depuis dans la journée, tu es en train d'être guéri. Il y a aussi quelqu'un, maximum mercredi, tu auras ton visa. Maximum mercredi. Donc, tu vas voyager. Tu attends depuis, je vois quelqu'un qui attend depuis octobre peut-être. Il y a quelqu'un, tu avais lancé le visa du Canada. Relance la personne qui a commencé ta procédure pour le Canada. Formation. Tu sens que c'est le temps pour toi de te former. Donc l'association Leaders, on va offrir des formations à un moindre coût pour nos adhérents. Et pour les orphelins, ce sera gratuit. Donc quand on ira dans les orphelins et tout, on va les former gratuitement. Et on planifie avoir des encadreurs qui vont pouvoir, si vous faites un enseignement à distance, quand ils se rendent dans l'orphelinat, vous enseignez à distance. Et certains des enseignements seront enregistrés. On pourra les rejouer aux orphelins. Voilà. Donc, pour nos adhérents, quand vous payez, vous payerez les formations. Quand vous payez pour rejoindre l'association, les formations seront à moindre coût. Voilà. Bon. Donc, il y a quelqu'un ici, tu sens que c'est le moment pour toi d'apprendre. Et il y a quelqu'un qui est dans ton entourage qui suce beaucoup ton énergie. Je vois une femme qui veut sauver forcément son gars. Et ça te... Je ne dirais pas que ça te tue, mais ça te tue. It kills you, girls. And it's killing you, girl. Donc, il faut que tu arrêtes. Ça te suce à petit feu.
Maintenant, il y a une personne ici, tu culpabilises énormément. Des fois, tu te dis, je mérite d'échouer parce que j'ai fait tel mal. Donc, c'est comme si tu as demandé pardon, mais tu ne t'es pas pardonné. D'avoir peut-être gâté ton foyer, d'avoir peut-être quitté l'école tôt. Là, on te donne une autre chance. L'Afrique ne pourra changer qu'avec les formations. All the guilty people don't say, I can't win, I can't win, no. I do anything to prove I love you. Si tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas pour toi, mamie. Si j'ai parlé de sauver ton gars et que ce n'est pas toi, tu ne comprendras pas. Tu as compris? Voilà, il faut laisser, ce n'est pas pour toi. But I refuse to stay. Il y a quelqu'un ici là, ta spiritualité, donc c'est un peu comme si tu vas renaître. Tu vas être tellement passionné par la spiritualité. Très. Tu ne comprendras même pas comment. Ou bien, je dirais pourquoi. Mais tu vas trop tendre vers, like, I want to know more. Oui. C'est le moment de ton éveil. Et tu vas beaucoup te transformer. Voilà. Donc, j'ai terminé. On prend la dernière. Parce que je vais bientôt partir. Il est aveuglé par sa mère. Tu es sa mère, mamie. Pourquoi tu crois que c'est à toi de le sauver? Si sa mère ne l'a pas sauvé, pourquoi tu crois que c'est toi qui dois le sauver? Tu veux te sacrifier? Tu veux te sacrifier? Tu veux mourir pour le gars? À ton enterrement, il aura une autre copine. Désolé, hein? Je suis pas gentil ce soir, hein? Je ne lis personne particulièrement. Vous me demandez une lecture particulière sans avoir payé, je vous bloque. Ok? On ne demande pas les prières. Il y a une ligne pour les prières. Écrivez sur le numéro là. Troisième pile, ça sont les quatre reines lumière. Elles sont disponibles en vente. Tirons les quatre reines lumière. Ok. Oui, vous pouvez payer pour la lecture. C'est vrai que j'ai une file d'attente. Vous avez là mes numéros, non? Si vous payez, je finis ça. On verra. Si je sens que tu dois payer, paye. Si tu ne dois pas payer, ne paye pas. Bon. C'est toi, tu le sens, c'est toi qui vas briser les malédictions générationnelles de ta famille. Tu as comme une intuition. Tu sens comme un fardeau, tu sens que c'est toi. I'm the one, oh, well. I'm the only one. Oh, 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 oh. Oula, tu dois pardonner. Je vois quelqu'un qui a des éruptions cutanées. Eczéma, boutons de chaleur. Beaucoup. C'est un peu comme si tu mues, comme si tu es. Like, ok. Après ça, tu vas devenir très belle. Si tu as lu le blindage que je vends, mets beaucoup ça sur toi. Il faut faire ton lavage au sel fidèlement. Et tu dois pardonner. Je crois que tu es le père de tes enfants ou ton ex, ton dernier ex. Depuis que vous êtes séparés, tu ne lui as jamais parlé. Pardonne-lui. Pas que tu le reprends ou quoi que ce soit, mais pardonne. Ou une grosse haine ou amertume qui bloque. Ça te bloque en fait. Merci Mokassa, bonsoir. Je vois aussi une personne, tu as la force. Tu as le don de la force. Et le lion noir, c'est ton animal. I'm the best one, I am my best years to come. I'm the one, oh, 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 I'm the only one. Oh, 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 I'm the only one. Bonsoir, Ahmed. Comment ça va, Ahmed? How are you doing, Ahmed?
Ok, Aïda dit qu'elle doit pardonner à son ex. Pardonne-lui alors. Et vous êtes très empathique. C'est comme si vous vivez dans une mauvaise maison. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'absorber ou de sucer les mauvaises énergies des gens autour de vous. Donc vous devez beaucoup protéger votre aura. On ne visite pas tout le monde. On n'accepte pas la visite de tout le monde. Et tu dois aussi parler à tes guides. Tu as des questions, tu vas parler à une autre personne. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On me dit de te dire, parle-leur spécifiquement. Vous, mes guides. Allez, essayez un peu pour voir. Bonsoir, Amanda. Moi-même, je te salue. Je suis à Riviera Palmeraie. Je te salue de la Palmeraie. Hein? Tu es en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis en Côte d'Ivoire. Allez, on y va. Mes guides, dites-leur quelque chose maintenant. Posez-leur une question. Flore, je t'ai déjà salué. Ne viens pas dans mon direct pour dire la même chose tous les jours. Tu m'as dit bonjour, bonsoir du Togo. Je t'ai salué depuis 30 minutes. C'est quoi? Oh non. Potaka Nungba. Je poste mes produits au Canada, mamie. Tu as compris, mamie de luxe. Vous avez pu poser la question. Dites-leur. Est-ce que je vais avoir mon guide, mon visa? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne me donne pas mon titre de séjour? Est-ce que mon gars est bon pour moi? Dites-leur. Demandez. Vous déposez un petit bol d'eau à votre chevet de lit ce soir avant de dormir. Vous déposez ça là-bas, vous posez la question. Vous vous couchez, vous dormez. Est-ce qu'elle doit quitter l'homme si ou pas? I do readings, yeah. But I think you have to follow me for a while before you ask for a reading. Because if you don't know me, you're gonna maybe I can offend you. Maybe. My mouth is too tranchant. Pose cette question à tes guides. Mon contact, plus 237, 693, 50, 22, 66. Sometimes people are not ready to hear the truth. So when they come to me, I'm like, please, I don't want to hurt you. Est-ce que ton projet de voyage va aboutir? Demande à tes guides, vous ne parlez pas avec eux. Pas l'eau sucrée. Si tu veux, tu mets le sucre dedans, mais pas forcément sucré. Vous avez le don d'accomplir des miracles, mais c'est comme si votre énergie n'est jamais assez concentrée. On vous montre que tu dois te focus. You need laser focus. Laser focus. Ne venez pas me poser vos questions, je vais les poser à vos guides. Ah, ok, pardon, arrêtez ça. Vous devez montrer aux gens que vous avez des problèmes plus que tout le monde. Vous devez montrer que vos problèmes dépassent pour tout le monde. Potakanam, noir. Traduction, laissez-moi tranquille. Tu n'as pas de gars, je danse. On fait quoi avec le gars? Ça construit l'immeuble. Tu as vu un gars qui a construit l'immeuble à sa go? Hein? Prenez le numéro 237 693 50 22 66. Vous payez là-dessus et vous envoyez la capture d'écran pour votre lecture. Bonsoir Laura. Voilà.
Les gens qui me connaissent ont déjà payé. La prochaine fois, tu payes 2 000 en plus. C'est 22 000, ce n'est plus 20 000. Tu as compris, non? Mais je te lis aujourd'hui. Voilà. Ceux qui ont mon numéro connaissent déjà. Vous écrivez inbox. J'ai le numéro 693 devant moi. Je vais vous le dire. J'ai fini les lectures communes que j'ai données à tout le monde. OK? I'm done with that. Prochaine fois, vous payez mes 22 000. Vous mettez 2 000 sur ça. 2 000, c'est pour mon jus. Je bois le jus. 20 000, c'est pour mon énergie. Voilà. 35 euros. Tu as payé le 30 avril, on est en juin. Si n'était pas lui, mamie, pardon, à bec. Écris, tu fais la capture, je te rembourse. Oyo, non. Oyo, non, mamie. Mm-hmm. Voilà. Voilà, ta créativité est en train de s'accentuer ces derniers jours. Note beaucoup tes rêves, parce qu'il voit qu'ils vont beaucoup te parler. Et tes idées, tu ne dois pas les partager avec tout le monde. Même si tu fais un rêve où tu te vois milliardaire, parce que quoi, ne dis pas à ton chocolat. Le pain sucré là, le pain qu'on te donne chaque soir là, ne lui dis pas tes idées. Parce que ce que quelqu'un peut faire, c'est de venir interférer dans tes idées. Crush your dreams. Paralyser tes rêves. Voilà. Tu as un esprit très fort, qui est plus fort que celui de ta famille. On peut dire que tu es en stage bloqué avec tes guides depuis au moins un an, ouais. Tu es en train d'apprendre énormément. À un moment, tu vas enseigner. Tu as des dons d'enseignement qui vont se réveiller à un moment. Oui, mets les cristaux sur toi. Ne blague pas avec ton collier de cristal, tes bracelets de cristal. Voilà. On me montre aussi la fatigue, la nuit noire de l'âme et la fatigue. Si tu ressens ça dans les prochains jours, 2, 3, 4 jours, c'est normal. Il y a un peu comme une partie de toi qui est en train de mourir. Voilà, tu es en renaissance. Ok? Et tu as aussi, je parle beaucoup du caritatif ces derniers jours. Il faut le faire. Ça va t'aider à beaucoup briller. Voilà. Envoie-moi mes 2000. On me dit que tu dois monter en côté 4. Tu dois m'envoyer mes 2000 après. N'oublie pas. Dans mon prochain agent, tu mets mes 2000. Tu as des pouvoirs dans les mains aussi qui s'activent énormément. Oui. Tu as beaucoup de compassion. Et l'amour que tu portes pour les gens, ça fait comme une aura qui te protège et qui guérit les gens aussi. Voilà. Une dernière. Waouh. Beaucoup d'ennemis. Tu vois aussi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te quitter, qui vont arrêter de te parler, quelque chose comme ça. Oui, c'est normal. Tes guides sont en train de les enlever à côté de toi. Tu me dois 2000. J'étais lu plus de cartes que prévu. Le numéro du Gabon, c'est le 074-18-0080. Non, je t'ai lu. Je vais même chercher ta lecture et t'envoyer. Je t'ai lu. Je t'ai lu. Ça veut dire qu'on ne t'a pas envoyé ta lecture. Je me rappelle de toi parce que tes locks m'avaient beaucoup plu. Tu me suis, chérie. Je t'ai lu. Je ne te relirai pas. Je vais chercher ta lecture et t'envoyer. Et je dois pénaliser mes employés pour ça. Vous lire, ça me prend énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il y a les lectures, il y a les lavages. Il y a une famille là que j'ai fait le lavage même 3 fois. Leur photo disparaissait. Je fais, je l'envoie la vidéo disparaît. La dernière fois, j'ai pénalisé les employés. Mais vous n'allez pas me foutre le bordel tout le temps comme ça. Ça prend beaucoup d'énergie pour travailler sur vous. La lecture de cartes pour les enfants. Paye 20 000, c'est quoi? Par enfant. Est-ce que tes enfants sont les demi-enfants? Il n'y a pas de problème. Toi-même, c'est que tu es ma personne, non? Et que tu as besoin. Je vais lire, tu te rappelles, tu payes, ok? Voilà. Tu n'as pas besoin de demander. Les cristaux, j'ai comme l'impression que tu as la capacité d'être activé, tes pouvoirs s'activent avec les cristaux. Brûle de la sauge, des encens chez toi. Voilà, ton éveil est en train de continuer. Je suis désolé, mais bon, je te parle maintenant clairement. Oh, pourquoi tu fais ça, Seigneur? La personne avec laquelle tu sors. Et cette personne, oh God, ok. En montant depuis, je ne voyais pas bien. Vous n'avez pas le même esprit. Il y a une jalousie que cette personne va afficher à ton égard. Même le fait que tu aies voyagé avant la personne a admis ton courage. Jalouse ton courage. Tu es censé être connu aussi. Tu es censé être connu. Waouh. Oui, c'est tout effectivement ça. À un moment, tu vas avoir envie de faire les locks. Tu as une mission très énorme sur la terre. Tu le sens déjà. Maintenant, rester avec la personne, à un moment, ça va t'handicaper. Ça va handicaper ton succès. Tu seras très riche. La carte que je viens de tirer carrément. Maintenant, il faut que tu te fais un rituel pour couper les cordes. Demande un rituel de couper. C'est 10 600.
Tu as des contrats d'âme dans ton ancienne vie que tu as tiré ici. C'est pour ça que tu vois, tu sens comme si tu dois porter cet homme sur toi. Ou bien porter sa vision, je ne sais pas. Il t'alourdit énormément. Voilà, je te l'ai dit finalement. Ok? Je l'ai dit. C'est pas évident. Hein? Quand je vois que vos gars vous bloquent là, pour vous dire là. No easy, yo. Sa Majesté, je vais te bloquer. Hein? Attends, il te bloque. Tu m'as fait le même commentaire dans mon direct 5 fois. Tu crois que tu es où? Tu t'es trompé dans toi. Bon, je continue les lectures. J'espère qu'ils vont me permettre de lire beaucoup de personnes. Allô? Oui, vous êtes là? En haut de Quignon Barber. Premier étage, porte B. Vous êtes là? Oui, entrez, vous allez au premier étage. Merci. Moi, il ne fait jamais à manger. Il commande moi toujours la nourriture. J'ai une de mes maisons où je prépare. Et j'y suis 5 à 7 jours par mois. Donc, j'aime beaucoup préparer, j'aime manger ma propre nourriture. Mais très souvent, je n'ai pas le temps de préparer. Je sais que les hommes vont venir et disent, oh, c'est quelle femme qui ne prépare pas comme ça. Je repère juste de bons restaurants. Avec une énergie conductrice. Attendez pas à récupérer ma nourriture. Let me fetch my food. J'arrive. Ah. Oh my goodness. Attendez. Oui, j'ai aimé tes locks. On va voir si je peux passer. Franchement, pourquoi il m'assoit toujours dans le coin comme ça? Non, je ne peux pas passer par là, je passe par ici.